Beaucoup de communautés sont organisées en ligne, alors souvent sur les réseaux sociaux publics ou alors sur les réseaux sociaux d'entreprise. Et c'est souvent le cas d'ailleurs pour les communautés apprenantes, parce que les personnes sont réparties un petit peu partout. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 à 6 mois, eh bien, la communauté meurt. Et si elle ne meurt pas, eh bien, on se retrouve avec toujours les mêmes qui font quelques petites choses, et puis en oubliant absolument tous les autres de la communauté. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi les communautés en ligne meurent si vite. On va voir aussi d'ailleurs comment éviter ça, bien sûr. Alors, finalement, eh bien, est-ce qu'il y a une malédiction des communautés en ligne? Alors, on pourrait se dire, bah, c'est pas très grave, parce que si la communauté apprenante, c'est juste la durée de l'apprentissage et puis que ça dure quelques mois, eh bien, on pourrait se dire, bah, c'est pas grave, elle dure le temps de la formation et c'est tout. Mais c'est vraiment dommage, c'est vraiment du gâchis, parce qu'il va falloir recommencer notre communauté, par exemple, pour d'autres sessions, pour d'autres personnes. Et puis, la communauté, elle devrait avant tout, eh bien, donner une culture de l'apprentissage, et donc donner des visions à long terme pour s'entraider, apprendre à apprendre plein d'autres choses que simplement la formation elle-même. Donc, finalement, eh bien, non, ça serait vraiment. On peut pas se dire, c'est pas grave si ça meurt au bout de 3 à 6 mois. D'ailleurs, le problème, eh bien, il va falloir prendre en compte le fait que personne n'a de temps et personne n'a de temps de cerveau disponible aussi. Alors, donc, eh bien, on va demander à la communauté, plutôt que de nous prendre du temps, il va falloir faire en sorte qu'elle nous fasse gagner du temps. Alors, on va essayer de regarder ça de façon un peu plus précise, parce que heureusement, eh bien, on a des solutions. On a des solutions, mais pour ça, eh bien, on va d'abord regarder une communauté en ligne. Et pour ça, j'ai pris une communauté qui a beaucoup de faits sur son berceau, puisque c'est une communauté existante, hein, qui existe depuis maintenant 4 mois et demi. Et qui est sur Telegram, donc un réseau social public, hein, donc avec une formation professionnelle. Donc c'est des personnes qui effectivement suivent une formation tout à fait classique, mais avec un public très jeune, très acculturé, très habitué au numérique. Et puis beaucoup de ces personnes-là sont des entrepreneurs. Donc un entrepreneur, eh bien, il a des besoins spécifiques, donc il a énormément besoin de l'entraide de la communauté. Donc ça va aider. Et autre chose qui va aider énormément cette communauté, eh bien, on va voir qu'elle a des nouveaux membres chaque semaine, puisque en fait il y a des personnes qui prennent cette formation, ce qu'on appelle en evergreen, hein, donc qui permet donc d'avoir à chaque fois eh bien des nouvelles personnes, et donc on a toujours des nouveaux membres. Donc vraiment on a tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. Alors regardons un petit peu ce que ça donne pendant les 18 semaines que ça a duré. Alors on voit que le nombre de postes en bleu, eh bien il va en baissant, mais c'est pas très grave. On est passé effectivement de 200 postes, bon ça fait vraiment beaucoup par semaine, hein, 200 éléments de discussion, et puis jusqu'à à peu près 70. Mais bon, finalement on pourrait se dire bah ça va peut-être se stabiliser, c'est normal au début, etc. Au passage, on peut noter dans la courbe orange, c'est la personne, j'ai juste pris la personne qui parle le plus à chaque fois, chaque semaine. Et on voit que plus il y a une personne qui parle un peu plus ça permet effectivement de monter. Il y a une sorte de corrélation, effectivement, donc ça donne des choses, mais ce n'est pas forcément l'animateur. L'animateur, d'ailleurs, c'est la courbe jaune, il a été assez malin. Il a vraiment aidé à simplement à ce que les choses démarrent, et puis bah, il a laissé la main de manière à ce que les gens prennent eux-mêmes. Donc finalement, on pourrait regarder ça. Mais si je regarde cette courbe-là, eh bien, je ne vois pas grand-chose. Alors, on va essayer de la regarder totalement différemment. Au lieu de regarder le nombre de messages, on va regarder le nombre de personnes qui vont parler. Pour ça, on va avoir besoin de la courbe de l'augmentation. Donc, on est passé de 180 membres au tout début à 390 membres aujourd'hui. Et puis, ben, on va s'appuyer sur ce que l'on connaît aujourd'hui, ce que l'on a vu dans certains trucs d'animation. En particulier, eh bien, l'astuce très contre-intuitive pour avoir un groupe actif. Et on avait vu que cette astuce-là, eh bien, elle prenait en compte quelque chose d'extrêmement contre-intuitif. C'est que le nombre de réactifs et le nombre de proactifs dans une communauté classique, eh bien, est incroyablement constant. Le nombre de réactifs est entre 10 et 20% et le nombre de proactifs entre 1 et 5%. Alors, j'ai rajouté ces éléments-là, donc les réactifs et les proactifs, pour pouvoir regarder ça. Et pour regarder un peu plus finement, eh bien, on va grossir plutôt la partie en bas, donc les personnes qui réagissent, pour voir effectivement comment ça se passe. Alors, regardons ça, effectivement, on grossit un petit peu les traits. Et il va nous manquer encore un dernier élément pour pouvoir bien analyser en détail ce qui se passe dans cette communauté, avec tous ses avantages et malgré tout, eh bien, le fait qu'elle a des difficultés. Et pour ça, eh bien, on va rajouter un deuxième élément. C'est le fait qu'à partir d'un trop petit nombre de personnes, eh bien, on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui bossent, c'est toujours les mêmes qui font tout. Et cette limite-là, eh bien, elle dépend de notre mémoire de travail qui nous permet de compter a posteriori. Personne s'amuse à compter en disant, bah, tiens, il y a lui. Mais a posteriori, on se dit, bah, tiens, oui, c'est lui. Et combien de personnes on peut compter? Eh bien, ça dépend entre 5 et 9. C'est un article scientifique, La magie du nombre 7 plus ou moins 2, le plus cité d'ailleurs en neurosciences. Et finalement, eh bien, ça veut dire que pour avoir beaucoup de monde, c'est-à-dire pour pas avoir cette impression que c'est toujours les mêmes qui font tout, eh bien, il faudrait avoir entre 6 et 10 personnes
pour dépasser effectivement cette capacité-là. La 6, ça veut dire que certains vont commencer à avoir, il y a beaucoup de monde, mais beaucoup vont dire, bah non, c'est toujours les mêmes qui bossent. Et puis, au-delà de 10, eh bien, pratiquement tout le monde, eh bien, va être incapable de compter a posteriori. On va avoir l'impression que la communauté marche. Donc, c'est une sorte de seuil en dessous duquel, eh bien, on risque d'avoir vraiment un cercle vicieux qui va faire que notre communauté va tomber. Maintenant, on a tout. On a tout, on a toute notre courbe et on va pouvoir mettre dessus notre courbe du nombre de personnes chaque semaine qui ont parlé, indépendamment du nombre de messages qu'elle a postés. Et là, on va regarder ça d'un petit peu plus près. On voit évidemment que ça descend, mais là, ça descend de façon un peu plus grave, un peu plus dangereuse. Alors au début, la première semaine, tout va bien. On a des personnes qui vont être plus nombreux que les réactifs normaux parce qu'on a un événement, la naissance, et on a plus de gens qui vont se présenter, qui vont dire bonjour, etc., etc. Donc c'est tout à fait normal. Vous voyez que la troisième semaine, eh bien, il y a un petit pic aussi qui remonte au-dessus, et c'est intéressant parce que cette troisième semaine, l'animateur a fait quelque chose de très intéressant. Il a créé des petits salons Telegram, comme on peut le faire, hein, dès qu'on dépasse les 200 personnes. C'est dommage d'ailleurs qu'on soit limité à 200, qu'on va être limité à 100 pour que ça marche bien. Et là, eh bien, effectivement, immédiatement, les réactifs se répartissent aussi dans les salons. Et donc, finalement, eh bien, on va pouvoir avoir plus de réactifs. Mais malgré tout, ça descend, ça descend. Alors, on est dans l'élément classique au départ des réactifs, hein, donc on a 10-20%, mais on voit que ça descend en dessous. Alors, à un moment donné, ça descend même très très bas, mais c'est ponctuel, donc ça, c'est pas grave, c'est un accident comme ça, une fois de temps en temps, hein, ça descend en dessous de la limite où il y en avait beaucoup. Quand c'est une semaine, ça pose pas de problème. Quand c'est un mois, là, on commence à avoir ce cercle vicieux extrêmement dangereux. Mais par contre, après, ben voilà, c'est remonté un petit peu après Noël. Et puis, ben voilà, c'est reparti. Et à un moment donné, eh bien, ça continue de descendre. Et là, ça arrive effectivement au niveau des proactifs. Alors, qu'est-ce qui se passe si on analyse ça? Eh bien, ça veut dire que il y a des gens qui postent des messages, etc. Et puis, à un moment donné, ils décrochent pour plein de raisons, parce qu'ils ont autre chose à faire, etc. Et se remettre dans le coup de la discussion, c'est extrêmement difficile. Donc, les réactifs, eh bien, ils ont de moins en moins de temps pour ça. Et les seuls qui vont parler, ça va être les proactifs. Les proactifs, c'est ceux qui vont prendre l'initiative en disant, voilà, moi, j'ai une question à poser, moi, j'ai un truc, moi, j'ai une réponse à me donner. Il y a même un des membres qui parle beaucoup. Et donc, ça veut dire qu'il va essayer de répondre à toutes les questions de tout le monde. Hein. Il fait presque un rôle d'animateur à lui tout seul. Mais effectivement, on est passé d'une communauté de discussion qui avait tous les réactifs. Alors, c'était déjà pas beaucoup, 10-20%, eh bien, à 1 à 5%. Alors, une chance quand même, c'est que la communauté, quand elle arrive à peu près à 300 membres, eh bien, on a des chances de rester quand même au-dessus du seuil, parce que les proactifs, ben voilà, si on est vraiment sur la fourchette haute des proactifs, ce qui est le cas avec un public extrêmement motivé d'entrepreneurs, donc on est plutôt dans les 3, 4, 5% que dans les 1, 2, 3%, eh bien, on a des chances de pas trop passer la limite cognitive, qui va faire qu'on a l'impression que c'est toujours les mêmes, et donc on va donner cette impression-là. En plus, comme il y a des gens nouveau chaque semaine, eh bien, on va avoir quelques personnes qui vont arriver et qui vont commencer par se présenter souvent. Et donc, on va les voir passer, un peu comme proactifs. Puis après, ils vont commencer à regarder et puis certains vont décrocher ou d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire et quel est le problème qu'on a effectivement dans cette communauté qui, alors, va continuer peut-être grâce, mais avec malgré tout juste les proactifs, donc là-dedans, ou alors va descendre au-dessous de la seuil critique et pourrait même pratiquement eh bien s'éteindre tranquillement et donc avoir du mal, et on n'est pas loin effectivement des 6 mois là-dessus. Rappelez-vous, la communauté elle va s'effondrer entre 3 à 6 mois en général, et on a même certains Américains qui vendent très cher le fait de vous aider à faire votre communauté jusqu'à 10 mois. Mais 10 mois, ça suffit pas, c'est pas suffisant, on voudrait aller plus loin. Alors pour essayer de bien comprendre ça, eh bien on va voir comment on va essayer de changer radicalement des choses structurelles dans la communauté qui vont nous permettre de sortir de cette malédiction, de ce piège des communautés où on va discuter en ligne. Alors pour ça, eh bien, on va faire appel aux observateurs. Les observateurs, c'est qui? C'est ceux qui suivent ce qui se passe. Alors c'est des gens extrêmement importants, on en avait parlé dans le truc contre-intuitif pour avoir un groupe durable, c'est que il y a des gens qui se désimpliquent, c'est tout à fait normal, il y a des gens qui ont fini la formation, et puis qui sont plus intéressés par ça, ou qui sont pris sur d'autres choses, ou etc. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on va se désimpliquer. Et nos observateurs, eh bien, c'est la marche d'escalier des gens qui ne sont pas totalement inactifs, mais que nous ne voyons pas, qui va être capable d'observer ce qui va se passer. Et puis certains d'entre eux, de temps en temps, vont se dire, ah oui, là, ça m'intéresse, et ils vont commencer à participer.
Mais dans ce que l'on a vu dans une discussion en ligne, c'est pas très très facile de pouvoir suivre et observer lorsqu'on a même 70 messages et encore plus quand on en a 200. Donc finalement, eh bien, on met une barrière à l'entrée pour ces observateurs et même une barrière à l'entrée aux réactifs qui a juste décroché un petit moment pour pouvoir remettre. Et donc, on va en avoir de moins en moins au lieu d'avoir ces observateurs qui vont compenser et donc permettre une application nouvelle. Alors finalement, eh bien, c'est difficile de suivre une discussion en ligne, hein, c'est difficile, mais par contre, c'est beaucoup plus facile de venir à une rencontre. Alors évidemment, à condition que je sois libre et à condition que le thème m'intéresse. Mais imaginez qu'au lieu d'avoir des longues discussions sur plein de choses où on a du mal à s'y retrouver, eh bien, on dise, voilà, simplement, bah, tiens, ceux qui veulent, venez, venez, et puis on va discuter ensemble sur ce sujet-là pendant 1 heure, et on va s'entraider, on va monter en compétences collectivement, on va faire plein de choses. Alors ça marche beaucoup mieux, mais évidemment, on va se dire, oui, mais tout le monde ne peut pas venir. Mais rassurez-vous, de toute manière. Tout le monde ne vient pas à toutes les rencontres de la communauté normale, mais les gens intéressés et qui peuvent être libres sont bien. Et puis s'il y en a une deuxième fois, eh bien, ils pourront venir peut-être la deuxième fois s'ils n'ont pas pu venir la première. Évidemment, l'élément clé pour que ça marche et pour pouvoir sortir de cette malédiction de la discussion en ligne, eh bien, c'est les invitations. Et pour faire une invitation efficace, eh bien, il faut qu'il n'y ait pas trop de messages. Juste les invitations, donc pas les noyer dans le flux de la discussion. Et puis, il faut qu'ils soient effectivement très courts, parce qu'il y a une règle des 2 minutes qui fait que si les messages que vous pouvez lire entre moins de 2 minutes, même s'ils ne vous intéressent pas complètement, vous les lisez. Mais aussi, eh bien, il faut, s'ils sont plus de 2 minutes, bah, vous les lirez demain, hein. Alors, si vous êtes obligé, vous les lirez vraiment demain. Sinon, en général, ça ne veut dire jamais. Et puis, bah, surtout, ça veut dire aussi que ces messages vont être envoyés à un endroit où les observateurs lisent et pas forcément l'endroit où on a choisi de la communauté, le site de la communauté, le réseau social. Si tout le monde y participe à ce réseau social, c'est un bon endroit. Sinon, ce n'est pas le bon endroit et donc il va falloir trouver d'autres choses. En fait, on va mettre en place et on va transformer une communauté de discussion en ligne dans une communauté d'ateliers. Qui peuvent être en ligne d'ailleurs ou en présentiel, et ça marche, on peut même avoir des choses mixtes. Certaines communautés assez distantes se réunissent une fois par an, et bien qui veut, et puis en présentiel, et une fois par mois ou assez régulièrement, et bien pour faire des ateliers. Et là, et bien effectivement, on va avoir plein de choses. On a vu qu'effectivement, lorsqu'on avait plusieurs ateliers proposés par des gens en disant, bah, tiens, moi, le sujet qui m'intéresse, c'est ça, je connais pas bien, ou alors je connais bien, j'ai envie de le partager, et puis ben, voilà, vient qui veut. Alors à vous de jouer. À vous de jouer, est-ce que vous pourriez proposer aux membres de votre communauté en ligne, si vous avez une communauté de discussion en ligne, d'organiser aussi de temps en temps ben, une rencontre. Alors ça s'est passé d'ailleurs dans la communauté que j'ai observée, il y a de temps en temps certains qui disent, bah, tiens, finalement, on pourrait se retrouver. Mais évidemment, la difficulté, c'est que c'est lu par les gens qui lisent. Il n'y en a plus beaucoup, puisqu'il n'y a que les proactifs qui lisent, comme on l'avait vu. Alors du coup, eh bien, on va voir comment inviter, et c'est l'élément clé qui va permettre justement de faire fonctionner ces communautés d'ateliers, alors que les communautés de discussion en ligne ont du mal à fonctionner. Et pour ça, eh bien, on en avait parlé dans avoir des participants dans votre atelier ouvert. Alors c'est vrai à la fois pour un atelier ouvert qu'on a vu dans ces trucs d'animation, mais c'est vrai aussi pour tous les autres types d'ateliers. C'est-à-dire si simplement on vient discuter ensemble, ou alors si on a envie de faire un codev pour aider quelqu'un en particulier. Bref, toutes les méthodes d'animation sont bonnes, mais la façon d'inviter va changer absolument tout. C'est ça le secret qui va vous permettre que votre communauté, qu'elle soit en ligne ou en présentiel, eh bien, devienne durable et n'oublie pas ses observateurs. Alors, n'hésitez pas à commenter, à mettre aussi dedans bah, comment ça fonctionne chez vous. Est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous êtes en discussion? Ou alors est-ce que simplement, eh bien, vous faites plutôt des rencontres de manière à pouvoir avoir, ne pas oublier toutes les personnes qui ne suivent plus les discussions? Vous pouvez bien sûr eh bien, vous abonner avec la petite cloche pour les prochaines vidéos. Vous pouvez liker, ça aide beaucoup tous ces contenus à être plus visibles. Donc vous m'aidez vraiment à partager ces contenus au plus grand nombre. Et puis vous pouvez télécharger aussi le guide de l'animateur 1 heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.